الشيخ ابن قاسم الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Nous allons parler d'un savant qui s'appelle Ibn Qasim, celui qui a réuni toutes les fatawa, toutes les paroles du grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah. عندما كان يذهب لجمع الفتاوى في ذاك الزمن لم تكن تلك الأيام هناك وسائل مواصلات حديثة ويعني السفر صعب جدا يأخذ وقت طويل أشهر أحيانا وأحيانا يعني يكون إلى سنة. Il a voyagé énormément pour réunir toutes les paroles du savant Ibn Taymiyyah. Mais en son temps, à son époque, il n'y avait pas tous les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les avions pour voyager. Et il faisait de longs voyages, des mois, voire des années. فكان يسافر أحيانا ويكون زوجة ابن قاسم حامل. نعم. Des fois, il voyageait. Et sa femme était enceinte. فيذهب يسافر ويرجع من يفتح له الباب هذا الحمل الذي كان في بطن الزوجة. Des fois il voyageait tellement loin que lorsqu'il rentrait, qui lui ouvrait la porte? Eh ben l'enfant qui était dans le ventre de sa femme. قالت له زوجته. Sa femme un jour lui a dit. يكفي هذا يكفيك الذي جمعت من فتاوى شيخ الإسلام يكفيك هذا. Elle lui a dit c'est bon. Tu peux te suffire de ce que tu as déjà réuni comme parole, comme fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Reste à présent à la maison avec tes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala bi'an qala laha li zawjatih. Mais Allah azza wa jalla l'a assisté, l'a aidé et il a dit à son épouse. قال اسمعي أنا وأنت شركاء في الأجر نصف أجر الفتاوي الفتاوى لي والنصف الآخر لك. Il lui a dit, écoute-moi, toi et moi, nous sommes associés dans la récompense. La moitié de la récompense est pour moi et l'autre moitié est pour toi. Elle lui a dit, ah, c'est donc comme cela. Dans ce cas-là, ne compte pas et vas-y, réunis le maximum de fatawa que tu peux, car elle voulait elle aussi la récompense. هذا حال المرأة الصالحة المؤمنة التقية تعين الزوج في طلب العلم في الدعوة إلى الله. Voilà l'exemple de la femme qui est de la femme qui est pieuse, de la femme qui aide son mari dans la propagation de l'islam. خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة كالله عز وجل أجري. نصرت هذا الدين بنفسها بمالها فرغت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله. Elle a rendu victorieux cette religion. Elle a aidé le prophète صلى الله عليه وسلم par sa personne et par son argent.